la philosophie politique africaine se définit autour de ce qu'on appelle techniquement la palabre, c'est-à-dire tous les problèmes de la communauté se discutent par tous les membres de la communauté autour du chef. Et tout le monde s'exprime librement dans son point de vue et arrive à prendre des décisions qui sont exécutoires. À un moment donné, les jeux ont un peu été faussés avec l'évolution de la vie politique chez nous. Quand on dit que l'IMPR, c'est un parti unique, chez nous, nous préférons l'appeler plutôt parti national. C'est parce que l'IMPR a, donc je vous dis, je crois personnellement que en s'écartant de la philosophie même du manifeste de l'Ancelé, on a fait du IMPR un parti qui n'est pas basé sur l'adhésion libre. Et à un moment donné, on a déclaré que tout Zaïrois, de par sa naissance, est membre du IMPR. Et chez nous, d'ailleurs, il y a un dicton ou un slogan en lingala qui dit « Olinga, olingate, ozali IMPR », c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu es membre du IMPR. Or, dès que tout le pays, obligatoirement, tous les citoyens sont membres du IMPR, or, comme dans un parti, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, qui entraîne la discipline du parti. Donc, vous voyez, dans un parti où l'on n'a pas adhéré librement, et dès qu'on y applique la discipline du parti, qui normalement ne peut se comprendre que dans un parti où l'on a adhéré librement, vous voyez que tout de suite, ça donne lieu à énormément d'abus. On ne sait plus s'en sortir. Et c'est là que j'ai dit que c'est là qu'on viole un peu les dispositions ou les options fondamentales du manifeste de l'Ancelé, qui, lui, a laissé l'ouverture même à l'existence.